Et salut les amis, c'est Origine, plus connu sous le nom de CC59200 sur le forum footmanager.net. Et aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 15 de notre série Se construire un avenir. Donc, épisode 15, ça veut dire saison 2026-2027, la 11e saison de nos 35 espoirs. Donc, j'avais prévu de faire un épisode bonus qui faisait un bilan de toute la carrière de nos espoirs, mais j'ai décidé après deux tentatives de tournage qu'à chaque fois je record qui n'a pas marché, et je me suis un petit peu embrouillé dans mes phrases, donc j'ai décidé de ne pas recommencer, car en voyant les âges de nos espoirs, je me suis dit c'est bientôt la retraite, encore 5 ou 6 saisons, voire 7 pour certains, après peut-être les gardiens vont rester un petit peu plus longtemps, donc je ferai l'épisode bonus à la fin. Et bien sûr, comme certains me l'avaient demandé, de voir où ça en est avec leur nation, ça je le ferai soit à la fin, si on a le temps, ou soit dans un épisode spécial, sélection nationale, compétition internationale. Donc voilà, je vous ai un petit peu présenté toutes les choses. Pour revenir au tableau des points avec les matchs par équipe, par joueur. Je suis en train de le faire, c'est assez long à préparer. Je dois rattraper 10 saisons, je suis à la troisième saison. Donc il faut encore un petit peu d'attente. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est assez serré et il y a une équipe qui est un petit peu plus derrière que les autres, mais sinon tout va bien. Donc voilà. Donc après cette petite aparté, nous allons passer aux espoirs. La saison 2026-2027. Et donc on va commencer comme d'habitude par le joueur avec la moins bonne valeur. Donc, cette fois-ci, c'est Benjaminho Djellon, l'Algérien de Sassuolo, prêté à Genk avec une valeur de 94 000 euros. Donc voilà, on avait vu hein, dans la saison passée que tu étais en instance de départ, un prêt ou un transfert. C'était plus prêt pour un prêt, mais on va voir que ça n'a pas été un bon choix à Genk. Donc tu es observé par un club, le Westland Bervren, pour un transfert. Là tu pourrais être titulaire. En première division belge. Là tu pourrais être titulaire parce que voilà, hein, à Genk t'es remplaçant, Sassuolo t'es en rotation. C'était pas un bon prêt, hein, on va le voir. T'as beaucoup plus joué avec les U21. Au moins t'as eu du temps de jeu, ça c'est clair. Ou sinon t'as fait un seul match de Coupe de Belgique avec l'équipe première, avec un jeune à la clé, donc voilà. On a de 6,40. Sassuolo se sont fait plaisir parce que c'était un prêt payant pour un remplaçant. On va voir si t'as pas eu de blessure. Non, aucune blessure. Donc voilà, c'est dommage. C'était un prêt qui est passé inaperçu. On peut dire ça comme ça. Donc ensuite, on passe à Romaric Kitson, l'attaquant américain, avec une valeur de 245 000 euros. Alors, l'attaquant de Malmö, qui rejoindra Levante. Le 1er juillet 2027. Rien de nouveau. Alors. Ok, fin de contrat. Tu n'as pas été renouvelé. Ok. Donc tu vas passer 2 saisons à Bournemouth en Angleterre. Et cette fois-ci, tu vas aller rejoindre Levante en Espagne. Qui vont descendre en Liga Adelante. Dommage. On pourra pas viser la remontée l'année prochaine. Donc au total, tu as fait 15 matchs, 2 buts, un carton jaune, une note de 6,66. Donc voilà, c'était un petit peu un statut de remplaçant que tu avais à Barnsmouth. Vraiment dommage. Peut-être pas dû partir de Huddersfield. Franchement. C'était plutôt pas mal là-bas, hein, pourtant. Tu jouais. Plus grosse saison, hein, 41 matchs. C'est vraiment dommage. Au niveau des blessures, oui, c'est vrai, tu notes Yann Gourcuff. Au niveau des blessures, une fracture du poignet au mois de décembre, l'hématome à la cuisse au mois d'octobre. Après, c'est peut-être pour ça que tu restes pas longtemps dans des clubs. Hein. 3 ans, 4 ans, 5 ans à Nancy, 4 ans à Sunderland, 2 ans à Huddersfield et 2 ans à Barnsmouth. C'est peut-être pour ça qu'ils t'ont pas prolongé, tu blessais beaucoup, donc tu jouais pas beaucoup. Tu avais un assez gros salaire.
Donc c'est dommage. C'est dommage. Donc ensuite, on va passer à Mazis of the Payan, l'Arménien de Cardiff, avec une valeur de 575 000 euros, qui est placé sur la liste des transferts par Cardiff. Il est remplaçant, prix demandé 275 000 euros. 300 euros de moins que sa valeur. On va voir sa saison avec Cardiff et avec l'Arménie, bien sûr. Donc 13 matchs, 4 passes D, 2 fois milieu match, 2 cartons jaunes, note de 7,08. Donc pas beaucoup de matchs, c'est dommage. Seulement 6 matchs avec Cardiff et 7 matchs avec l'Arménie, hein, la Ligue des Nations, on va aller voir tout ça. Hop, l'Arménie doit être dans le groupe C. Non, pas du tout. Dans la division D. Oui, division D. Ah, vous avez raté la montée en division C. Derrière la Macédoine, Liechtenstein et Andorre. D'accord. Peut-être la prochaine saison. Enfin, la prochaine. Ouais, si. La prochaine année. Hop. Au niveau de ta carrière, 2 ans à Cardiff. Beaucoup changé de club. Hein. Je t'ai pas installé. Vraiment. Beaucoup de fois laissé libre. Ta plus grosse saison, c'est seulement 29 matchs à Örebro. Ou sinon, voilà. Tu n'enchaînes pas beaucoup. Au niveau des blessures, une contusion au tibia, une hernie abdominale, une élongation à un mollet, un hématome à la cuisse. Donc 4 blessures cette saison. Dont 2 de 5 semaines et 3 semaines. Passons à Johan Gunnarsson, le gardien suédois, pour une valeur de 600 000 euros. Alors en remplaçant Brentford, hein. On va voir tout ça. Coupe amicale, on ne fait pas. Donc t'as joué avec les 21. 20 buts encaissés pour 20 matchs. Ça va. Et au total, avec l'équipe A, 5 matchs, 4 buts encaissés, 2 clean sheets. C'est quoi ça déjà? Ah oui, 4 hein, des bouts des doigts, on s'en fiche un petit peu. Hop, note de 6,62. Beaucoup de tirs arrêtés, hein, 80%, c'est plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Voilà, t'as un statut de remplaçant, tu le savais avant de venir. Tu t'es jamais installé, à part à Laïc, en Suède. Mais après, t'aurais dû. Je pense que tu aurais dû rester en Suède, même si tu marquais pas de points, mais au moins tu jouais. C'est vraiment dommage. Au niveau des blessures, des ampoules, c'est tout. Ok. Dans combien d'années? Un an. Peut-être la saison prochaine, tu veux repartir libre, et pourquoi pas repartir en Suède ou trouver un club où tu pourrais être titulaire. Donc voilà. Ensuite, Hidetoshi Shizu Fujiwata. Donc, le Luxembourgeois de 30 ans, avec une valeur de 625 000 euros, qui est parti, qui a été acheté par l'AJ Auxerre pour 150 000 euros, et qui a gagné la Ligue 2 avec. Magnifique. Donc alors, voilà, on va récapituler un petit peu. Alors, en 2025-2026, tu étais à Leeds. En hiver, tu es parti en prêt à l'AJ Auxerre, en prêt payant. La saison d'après, tu es revenu à Leeds, tu n'as pas beaucoup joué. Et là, tu es Auxerre, qu'ils ont été plutôt satisfaits de ton prêt, ont décidé de t'acheter. Donc voilà, pour 155 000 euros. Donc, ils t'ont acheté en hiver. Donc c'est pour ça que t'as fait 11 matchs et 9 matchs avec Leeds. Donc tu es à 20 matchs. Tu es à 20 matchs. On calculera ça. Je calculerai ça après. Donc ainsi que 4 matchs avec le Luxembourg. Luxembourg. Qui sont en division C, pas mal. Mais qui descendent en division D. Ok. Finlande, Irlande, Slovénie. C'est un gros groupe quand même. Dommage, dommage. Donc voilà. 15 matchs plus 9 autres. Ça te fait 24 matchs. 3 passes D, 3 cartons jaunes, une de 6,57. Un but. Voilà. Niveau des blessures. Cheville tordue en fin de saison. Une foulure du poignet. Une douleur en talon, un hématome à la cuisse. Ah, ok. Donc voilà, est un statut de rotation. Et à l'AJ Auxerre, t'as signé un contrat de 2 ans. D'accord.
Ensuite, on passe à Andoni Unzué, le gardien uruguayen d'une valeur de 625 000 euros, qui est observé actuellement par un club. On va voir lequel, Sheffield United, club de Championship, Middlesbrough, ils sont en quoi? Championship aussi. Ok. T'as un statut de remplaçant. Donc pourquoi pas partir à Sheffield United pour avoir un statut titulaire dans le même championnat. Peut-être pas mal. Donc au total, avec l'équipe 1, 10 matchs, 8 buts, 8 buts encaissés et 3 clean sheets. Avec un taux de 70% de tirs arrêtés. Une note de 6,77. Au niveau des blessures, une élongation aux adducteurs, une luxation de l'épaule pendant 2 mois en début de saison. Il doit faire très mal, ça. Plus en match. Ouf. Niveau de ta carrière, depuis que t'es parti à Osasuna, tu bouges beaucoup. Sassuolo, AG Auxerre, Latina, Middlesbrough. Pratiquement, il te reste plus que l'Allemagne, le Portugal et les Pays-Bas. Il t'aura tout fait les championnats possibles. Donc voilà. On va passer à Kourzi Tekache, toujours le Botswanais de Granada, qui à 30 ans a décidé de prendre sa retraite internationale. Et oui, il ne jouera plus pour le Botswana. 73 sélections, 0 but. L'ancien capitaine botswanais qui a décidé de prendre sa retraite internationale à 30 ans. Première retraite hein, de nos 35 espoirs. Donc voilà. Et il continue à jouer avec Granada en Liga BBVA. Granada, qui était en Ligue Europa. Pas mal du tout. Donc au total, 34 matchs, une passe D, 3 fautes du match, 6 cartons jaunes, pour une note de 6,66. Donc voilà, hein, un joueur fidèle à son club formateur. C'est beau à voir. C'est vraiment beau à voir. Au niveau des blessures, une infection virale, une cheville tordue, une intoxication alimentaire. Donc voilà. Botswana, hein, 131e nation mondiale qui n'a jamais réussi à aller en CAN, ni en championnat d'Afrique des Nations, qui s'est toujours arrêté au qualif. C'est vraiment dommage. Et donc ils perdent leur capitaine. Voilà. Au moins t'as fait une grande carrière internationale. Pourquoi pas? Je sais pas si c'est possible en Football Manager de pouvoir quelques années après décider d'annuler sa retraite, si on peut dire ça comme ça, sa retraite internationale bien sûr. Pourquoi pas aider le Botswana à faire mieux et pourquoi pas se qualifier pour une CAN. Donc voilà, donc en tout cas 73 sélections à 30 ans, chapeau bas, chapeau bas. Alors, on passe à un autre joueur, Ernesto Valverde, qui a lui aussi changé de club, le Paraguayen, d'une valeur d'un million 4, qui a été acheté par Séville pour 825 000 euros, et qui est actuellement avec l'équipe du Paraguay, pour jouer la Copa América, qui est dans le groupe... Pourquoi il y a le Japon? Ah. Puis quand il y a le Japon? Bizarre. Dans le groupe de l'Argentine, du Mexique et du Pérou. Mexique, l'équipe B. Je sais pas pourquoi. Mais vraiment bizarre. Vraiment bizarre. Des fois, je comprends pas. Hein. Si quelqu'un a une réponse à cette question, pourquoi c'est Mexique A prime, ou même le Japon. Qu'est-ce qu'il fout là, le Japon? Ils n'ont rien à faire là. C'est un pays asiatique. Marquinhos. Sérieux? D'accord. Ok. Bon, ouais, on s'écarte un petit peu du sujet. Donc voilà, on va revenir à Ernesto Valverde, qui est maintenant avec l'équipe de Séville en rotation. On va voir sa saison. Deux matchs, une note de 6,60. Ouais, tu étais acheté à l'hiver, mais même avec une OK, t'as seulement joué un seul match. Donc voilà. Donc, des blessures, une fracture des côtes, une douleur dorsale, une torsion du genou qui était la saison passée. D'accord. Donc deux blessures, mais deux blessures de chacune un mois. Pratiquement. Tu as signé un contrat de 3 ans avec... Non, 2 ans et demi avec
Séville. Ensuite, Ice Kelly, joueur de Villarreal, l'Indien, qui va rejoindre sa sélection nationale et qui est actuellement sur la liste des transferts et liste des prêts et qui est suivi par deux clubs parce qu'il veut sa chance en équipe première, c'est compréhensible. Donc, on va voir tout ça, mais avant, on va aller voir un petit peu ta sélection. L'Inde, 124e nation mondiale. Donc, tu vas jouer les qualifs de la Coupe du Monde. Avec l'Australie, l'Oman, la Palestine et le Tadjikistan. Ça va être dur contre l'Australie, ça sera vraiment un duel entre l'Australie et l'Inde. Donc pourquoi pas essayer de se qualifier pour la Coupe du Monde. Enfin, le groupe 7, hein, Laos, Liban, Népal, Sri Lanka, Tapaï chinois. Vraiment facile comme groupe. Même celui-ci, hein, 6. Vraiment des groupes assez faciles. Hein. Dommage d'être tombé avec l'Australie. Donc voilà. Hop, on va revenir à toi. Hein. Suivi par deux clubs. On n'en voit qu'un. Le FC Nantes, un grand intérêt. Et Villarreal qui demande 1,3 million pour ta personne. Pourquoi pas aller à Nantes, te relancer. Après un passage à Villarreal, après ta grande carrière à Osasuna. Donc seulement 17 matchs. Une fois du match, une note de 6,75. Dommage parce que les deux saisons d'avant, tu étais titulaire. Bon, après, c'est tu vieillis, hein. 29 ans, bientôt 30. Donc, je sais pas, pas une blessure. Après, peut-être ils ont recruté un autre milieu def. Et c'est ça qui a tout changé dans la hiérarchie. On va aller voir ça. Ignacio Pérez. Sergio Vicuña. Ouais. Je sais pas pourquoi tout d'un coup ça a changé. Tu es passé de titulaire à quelqu'un de la rotation. En plus, ils ont fait une mauvaise saison, hein, 17e. En plus, l'économie, ben, les finances sont instables. Donc autant partir maintenant. Tu as bien raison. Plus Nantes, ils sont plutôt pas mal. Ils sont plutôt pas mal. Donc voilà. Le pire, si tu pars pas maintenant, tu partiras. Non, tu partiras pas l'année prochaine. Il y aura une connerie. 2 ans. Il te reste 2 ans. Donc voilà. Ensuite, Osora Tsubasa. Joueur de Naples. Lui aussi qui a changé de club. Acheté par le Napoli pour 2 millions 4. Alors, on va voir un petit peu ce qui s'est passé. Tu avais été acheté par les Sisters. À Tottenham pour 3 millions 1. Tu as joué 0 match. Tu te fais acheter par le Naples l'été dernier pour 2 millions 4. Et là, tu vas jouer. Tu as joué, hein. Tu as joué 28 matchs. 2 buts, 4 passes D. Une fois mis au match, un carton jaune pour une note de 6,78. Donc le Luxembourg, on l'avait vu. Donc plutôt pas match. Pas mal, hein. Tu as un statut de rotation. En même temps, tu viens d'arriver à Naples. Milieu offensif droit et centre. On va aller voir ça. Donc voilà, on va voir tes blessures. Une petite grippe, des ampoules, une torsion du genou. Et puis c'est tout. Alors, à Naples. À Naples. Milieu offensif droit. Eric Alfaro. Antecoric. Mensah, Lugano, Cerulo, Poulsen. Ah là, Sifi. D'accord. Il y a du beau monde. Il y a du beau monde. Pas des grands noms, mais il y a du beau monde. Donc pourquoi pas la saison prochaine t'installer dans cet effectif. Plutôt l'air de te plaire là-bas. C'est plutôt pas mal. Ensuite. J'en ai marre. Le joueur espagnol d'Angers. Hop. Toujours titulaire. Donc 36 matchs de Ligue 1, 10 buts. Donc au total 39 matchs, tous titulaires, 10 buts, 2 passes D, 3 fois du match, 2 cartons jaunes, une note de 6,72. Une saison encore réussie avec Angers.
hein, toujours titulaire. À un moment, tu étais en instance de départ, tu as décidé de rester, ils t'ont convaincu parce qu'ils ont réussi à monter en Ligue 1, et là, vous commencez à vous installer en Ligue 1. Si je dis pas de conneries, Angers. Ils ont réussi à se maintenir. Super. Donc voilà. Mais je pense que s'ils descendent en Ligue 2, tu demanderas un transfert. C'est normal. Tu n'as pas envie de jouer dans une division secondaire. Donc au niveau des blessures, une douleur à une cuisse, c'est un orteil touché. Voilà. Il te reste combien d'années de contrat? 4 ans. Tu vas re-signer un bail de 4 ans. D'accord, l'été dernier. Ok. Allez, il te reste plus que 3 ans. Alors, ensuite, Eden Fogel, joueur de Middlesbrough, qui est observé par un club actuellement. On va voir lequel, Crystal Palace. D'accord, Crystal Palace qui veut te racheter. Complètement débile. Alors, ta saison en Championship, enlever ce match du 21. 44 matchs, un seul match remplaçant. 4 buts, 8 passes D. 8 cartons jaunes, un carton rouge, une note de 6,71. Et voilà, tu t'installes à Middlesbrough après une saison assez, une demi-saison assez moyenne. Là, tu commences à monter en puissance avec Middlesbrough. Au niveau des blessures, une douleur dorsale en fin de saison, une douleur à une cuisse en décembre, et puis c'est tout. Seulement 2 blessures. Tu première, bien payé. Super, belle prime. Ok. Alors passons maintenant à Sacha Lyonnais, joueur du Gazélec Ajaccio, qui sont relégués en Ligue 2 après cette saison en Ligue 1. Vraiment dommage. Vraiment dommage. 28 matchs de Ligue 1, quelques matchs de coupe, donc au total 35 matchs, 8 passes D, 7 cartons jaunes. Un carton rouge pour une note de 6,42. Tu fais des belles stats, hein, mais c'est ta moyenne, je sais pas pourquoi ça baisse autant. Ouais, ton taux de passe de 63% fait très mal. Un taux de tir cadré de 25%. Puis des tacles 66%, c'est plutôt pas mal, mais c'est surtout au niveau des passes, hein. Pour un milieu offensif, milieu centre, il faut savoir faire des passes, et il faut les réussir surtout. Donc voilà. Au niveau de tes blessures, beaucoup de blessures aussi, hein, toi aussi. Et cette saison, seulement 2, une torsion du genou, une élongation à mollet. Tu as raté 2 semaines et 3 semaines de compétition. Hop. Passons à Jonathan Odiviri, le gardien de Tottenham. On rappelle gardien remplaçant, mais gardien quand même. Hop. T'as l'air de plutôt bien te plaire. Tu joues 5 matchs en Ligue Europa. Donc ça veut dire qu'il te fait confiance pour jouer les grands matchs de Coupe d'Europe. Donc 11 matchs avec l'équipe réserve, 9 buts encaissés, 5 clean sheets. Tu as plutôt bien réussi en U21. Donc on va passer à l'équipe A avec les matchs de coupe et la BPL. 11 matchs de BPL, ça va. Hein. Ça va, ça va. Donc au total 21 matchs, 26 buts encaissés, 7 clean sheets, une note de 6,61, un total de 65% de tirs arrêtés. Plutôt pas mal. Plutôt pas mal. C'est qui le gardien titulaire à Tottenham? On va voir ça. Miles oula. Miles Villa. D'accord. Lui aussi belge. D'accord. Ok. Deux Belges en gardien. Ok. Hop. 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 Voilà. Donc jouer un petit peu plus de matchs que la saison passée. Donc je pense que c'est plutôt bien que tu restes à Tottenham, hein, en tant que gardien remplaçant. C'est plutôt pas mal. Au niveau des blessures, aucune. Donc voilà. T'as plus qu'à croiser les doigts pour que l'autre gardien se blesse et qu'il te fasse confiance et qu'il te mette titulaire. Donc passons à Hugo Gilles, le joueur de l'Olympique Lyonnais, qui était acheté pour 3 200 000 euros à Monaco. Tu as gagné le trophée des champions avec Monaco en début de saison face à Paris 2 buts à 1. Est-ce que tu étais titulaire? Non, tu es rentré à la 67e minute avec une note de 6,5. Ok. Bon, voilà, un petit trophée, ça fait pas de mal. Tu es en rotation avec l'Olympique Lyonnais.
quelques matchs par-ci par-là. 15 matchs, 5 passes D, 4 cartons jaunes, note de 6, 87. Donc voilà. Voilà la différence avec telle note par rapport à Sacha Lyonnais, ton taux de passe. Hein. Clairement meilleur, 13% de plus. Ça change tout. Ça change tout. 76% de réussite. Au niveau des passes, c'est plutôt pas mal. Il faut juste que tu fasses des progrès au niveau des tacles. Et puis les tirs, 60%, c'est plutôt pas mal pour un milieu centre, milieu offensif. Donc tu es arrivé à la trêve. Pour ça, peut-être que la saison prochaine, tu joueras un petit peu plus de matchs. Viser la vingtaine de matchs en Ligue 1, pour être pas mal. Niveau des blessures, aucune blessure depuis 2024. C'est cool. Alors, ensuite, passons à Luca Antunes da Coimbra, le joueur du FC Nantes, le latéral gauche, finaliste de la Coupe de France. Non, c'était la saison passée. Merde, 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 pardon. Dijon qui a gagné la Coupe de France. Alors, 11 matchs de Ligue Europa, 35 matchs de Ligue 1 et quelques matchs de Coupe. Donc au total, 51 matchs, une passe D, un carton jaune, note de 6,76. Donc beaucoup de matchs. Pas beaucoup de passes D, c'est dommage, et très peu de cartons jaunes, un seul carton jaune, c'est super. Donc on voit un taux de tacle réussi de 82%, c'est énorme, c'est énorme. Donc voilà pourquoi tu n'as pas beaucoup de cartons jaunes. Et puis il faudrait s'améliorer au niveau des passes, 58%. Donc voilà. T'as combien en passes? 10, en tacle 16. Ouais, ok. Donc voilà, encore une bonne saison avec le FC Nantes en Ligue 1. Tu t'imposes, hein, dès ta première saison, tu t'imposes en tant que titulaire et là tu confirmes ta place. Une seule blessure, une contusion, une cote de 6 jours au mois de novembre. Très combien? Tu as signé mois d'hiver 2026. D'accord, il te reste 3 ans. 3 ans FC Nantes. On passe à la deuxième partie de nos 35 espoirs. On passe à Corentin Bas, le joueur de l'AS Saint-Étienne qui est actuellement observé par un club et qui est encore le joueur de l'année des supporters saison 2026-2027. Il avait déjà été en 2025-2026, 2024-2025. Donc voilà, tu n'as jamais quitté l'AS Saint-Étienne à part pour quelques prêts, qui est normal. Et là, tu t'imposes et tu es un petit peu le chouchou des supporters, hein, comme on le voit, avec ces 3 années de suite, un trophée de joueur de l'année. Donc, 38 matchs, 3 buts, 8 passes D, une fois du match, un carton jaune, pour une note de 6,89, un taux de passe réussi énorme. Il faut juste t'améliorer au niveau des tacles, et puis ça serait parfait, tu deviendras un élément clé de l'AS Saint-Étienne. Voilà, toujours, tu tournes toujours à la note de 6,90. Pourquoi pas viser la note de 7? Voilà. Hein. On l'a vu, on formait à l'AS Saint-Etienne, quelques prêts par-ci par-là, 4 prêts au total. Puis tu as commencé à t'imposer petit à petit, à monter en puissance avec l'AS Saint-Etienne. Vraiment pas mal, et aucune blessure cette saison. Alors, ensuite, André Ho, le latéral droit de Watford. Alors, tu as joué? Oui, tu as joué en BPL, parfait. Donc 32 matchs au total. La Coupe Football Manager. Vous êtes sérieux? Il y a une Coupe Football Manager? Je sais même pas. Ah bah oui, avec AFC Wimbledon. D'accord. Watford. Ah, ok. À chaque fois, c'est... D'accord. Je connaissais pas. J'ai jamais joué à Watford ou à Wimbledon. D'accord. Vraiment, je connaissais pas. Ok. On va le compter. Non, oui, non, non. On va le compter, t'as de la chance, c'est une note de 6,40. C'est rien changé. Donc au total, 31 matchs, 6 cartons jaunes, une note de 6,40. Pourtant, t'as un bon taux de tacle, un bon taux de passe. Bizarre. Bizarre, bizarre. Donc tu t'imposes, hein, à Watford. Et après quelques galères à hein, Marseille, Barcelone et l'Inter. Voilà, tu trouves ta place. Et aucune blessure. Parfait. Reste une année de contrat. Pourquoi pas re-signer une année de plus? Donc passons à Romain Lemunier, l'attaquant polonais de Hoffenheim. Alors, on va voir.
Toujours dans l'équipe première. Oui. Ah oui. Ah oui, il joue. Il joue le petit polonais. 49 matchs au total, 12 buts, 7 passes D, une fois du match, 4 cartons jaunes, une note de 6,76, une superbe saison, ainsi qu'en Ligue Europa, en Fenel, qui a l'air d'avoir fait un super parcours. Rabel, Leverkusen, Offenheim, Offenheim, ouais, Offenheim qui s'est arrêté au deuxième tour face à Rome. Ok, voilà. Titulaire indiscutable depuis 3 saisons à Hoffenheim, plutôt pas mal, toujours resté en Allemagne. Une longévité dans chaque club où tu es passé. 7 ans à Kaiserslautern et là 5 ans pour le moment à Hoffenheim. Niveau des blessures, 2 blessures assez longues, 3 semaines et 4 semaines, une élongation à mollet au mois de février et une hernie abdominale au mois de septembre. Voilà. Passons à Thiago Precher, le joueur de Gibraltar, acheté par Novara pour 6 750 000 euros à Stoke City, et t'es nommé capitaine de Gibraltar. Gibraltar, hein, qui est pas classé en mondial, qui n'arrive pas à se qualifier pour la Ligue Europa, qui a perdu tous ses matchs de Division D de Ligue des Nations. Donc voilà. Alors, à Novara, en Italie, en Serie A, que des matchs titulaires, pas mal. 23 matchs, un but, une passe D, une note de 6,48. Donc tu as sûrement trouvé ton club, hein, Novara. Donc ouais, tu es arrivé à l'hiver, tu avais déjà joué 7 matchs avec Stoke City. Niveau des blessures, ouais, beaucoup de blessures quand même. Une hernie, un hématome à la cuisse. Ouais, au total, beaucoup de blessures. Voilà l'équipe première, Novara. J'espère qu'ils sont restés en série. Il y a quand même parfait, ventre du 9e. Hein. Vraiment parfait. Tu as trouvé ton club. Après quelques passages. Tu as fait quelques passages en Angleterre. De très bonnes saisons. Et là, tu as trouvé ta place en série A. Ensuite, passons à Kriegos Papotifa-Dizos, qui en espère du banc madrilène. Hein, on peut le dire ça comme ça. Qui est mécontent, il veut un nouveau défi car il estime ne plus rien avoir à prouver dans son club actuel. Tu m'étonnes, ça devrait être long, plus long. Il devrait être avant que tu aurais dû t'en rendre compte parce que passer toute ta carrière pratiquement sur le banc. Tu joues, hein, c'est pas le problème. Mais à commencer sur le banc à chaque fois. Seulement 2 matchs titulaires en Liga BBVA. Donc au total 48 matchs, une note de 6,51. Voilà. Hein. Ouais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 saisons. 8 saisons au Real. Beaucoup de matchs remplaçants qui donnent des mauvaises moyennes à chaque fois. Donc voilà, c'est dommage. Niveau des blessures, aucune. C'est bien, tu es plutôt bien, mais en tant que remplaçant. Et tu touches vraiment pas mal d'argent. C'est vrai, tu pourrais rester. Moi, je serais pas contre de rester pour 1 million par mois pour jouer 20-30 minutes chaque week-end. Moi, ça me plaît. Moi, ça me va. Alors, Johnny Drama, l'Autrichien de Stoke City, qui est actuellement observé par un club, par l'Inter. Ouais, c'est mieux de rester à Stoke City. 29 matchs, ouais. Allez, au total. 39 matchs, 18 buts, 3 passes D, 4 fois du match, une note de 6,98. Voilà. Tu exploses à Stoke City en Angleterre. Tu t'épanouis. Et c'était le mot que je cherchais, mais j'ai dit explose, je ne sais pas pourquoi. Donc voilà. C'est plutôt bien. Plutôt bien. Voilà, t'es heureux. C'est super. On va passer à Cédric Guérin. Bah, mon joueur, qui a été acheté par la Lazio pour 10 500 000 euros. J'aime pas trop la Lazio. Vraiment. Je joue remplaçant. Je suis dans la rotation. Je préférais rester à Crystal Palace. J'ai joué 39 matchs de but, 2 cartons jaunes, 2 cartons jaunes, 6,73. Ça va, une bonne note. Une bonne note.
Une seule blessure, intoxication alimentaire. D'accord. Hop, on va passer à Miroslav Besroukov, le tchèque d'Everton. On a acheté par Everton pour 7 500 000 euros à Paris. Je suis devenu un joueur de la République tchèque à avoir effectué le plus grand nombre de passes décisives au cours d'une saison. 6. Pas mal. Alors Everton, tu arrives en hiver. Tu as l'air d'être titulaire. 18 matchs titulaires, 3 passes D, 6,88. T'as l'air d'être bien, Everton. Plutôt pas mal. Au niveau des blessures, contusion de côte, élongation des ischios, une entaille une jambe, une commotion cérébrale. Voilà. Hop, passons à Romain Gonella, l'attaquant italien qui a été transféré à Tottenham pour 16 millions. 750 000 euros et qui est mécontent parce qu'il veut sa chance en équipe première. Bah oui, tu es remplaçant de Tottenham. Ils ont déjà pas mal de grands joueurs en attaque. Remplaçant, tu joues pas mal, hein. 31 matchs, 8 buts, 3 passes D. Devant du match, 5 cartons jaunes, une note de 6,71. Plutôt pas mal comme saison. Niveau des blessures, aucune. Tu as signé un contrat de 4 ans, il t'en reste 3. Plutôt bien, Tottenham. Allez, on va passer aux deux joueurs du Bayern, Cristiano Costa et Guillaume Plein. Donc on commence par Costa, le joueur portugais. On va voir sa petite saison, hein. 40 matchs, 15 buts, 3 passes D, 2 fois homme du match, un carton jaune, une note de 6,89. Voilà. Tu montes en puissance. Ou des blessures, une élongation des ischios au mois de mars. Une seule blessure. Tu touches un petit pactole. En jouant une paire de matchs, une trentaine. C'est plutôt pas mal. Ensuite, Guillaume Plein, le milieu offensif droit du Bayern, qui lui a joué 44 matchs. 3 buts, 11 passes D. 3 fois du match, 15 cartons jaunes, 1 carton rouge, une note de 6,94. Niveau des blessures, une commotion cérébrale et une douleur à un pied. Toi aussi, tu joues pas mal, tu gagnes pas mal. Et 13-3 ans. Ensuite, Lilian Singé, l'attaquant du Milan AC. Vainqueur de la Serie A cette saison. La Juve a perdu son titre. C'est vraiment incroyable. J'aurais jamais pensé qu'ils ont été détrônés durant cette carrière. Vous avez quoi, 11, 11, 12, 12 années de suite qu'ils ont gagné la Serie A. Félicitations. Donc 45 matchs joués, 11 buts, une passe D, 6 cartons jaunes de 6,75. Voilà, t'as joué plus que l'année dernière. Sûrement l'attaquant qui a été transféré. Et qui en attaque? José Faure, Arturo Péri, Andrea Belotti. Ouais, c'est sûrement eu un transfert qui départ d'un attaquant. Non. Non plus. Non. Ah, en tout cas, tu as retrouvé ta place de titulaire. C'est vraiment très bien. Au moins, tu es sûr de jouer. Tu fais une grosse saison en plus. Voilà. T'as l'air d'être plutôt bien maintenant. Tu es heureux. Alors que les saisons précédentes, tu jouais pas. Donc, tu t'es assez triste. Tout à fait normal. Il te reste combien? 2 ans. 2 ans à l'AC Milan. Plutôt pas mal. J'espère que la saison prochaine, vous allez défendre votre titre pour le retour du grand Milan AC. Ensuite, Nicolas Dualiti, le joueur de Gibraltar de Benfica. Alors. Beaucoup de choses. Finaliste de la Coupe de la Ligue portugaise, présélectionné pour le défenseur central de l'année en première ligue portugaise. Tu n'as pas gagné. D'accord. Bien. David Costa.
Ok. Alors, ta saison. 52 matchs, tous titulaires. Énorme. Deux passes D, une fois du match, trois cartons jaunes, une note de 6,87. Encore une grosse saison, une très grosse saison avec Benfica. Vraiment pas mal. Malgré de nombreuses blessures, mais assez courte durée. Donc là, une commotion cérébrale, une contusion à une côte qui a duré quelques jours. Vraiment pas mal, une triste 2 années de contrat. Tu es un joueur clé de Benfica, c'est tout à fait normal. C'est énorme, énorme saison. Bastien Pejo, le latéral droit de Liverpool, actuellement observé par un club finaliste de la Capital Cup, présélectionné pour le Ballon d'Or 2026. Pas mal. Mais c'est Raoul Oprut. D'accord. Ah oui, j'avais pas fait attention. Messi, qui est gagné jusqu'en 2022, après James Rodriguez, Milan Pinuch, le Croate, Dario Paris, et Raoul Oprut, joueur de Roumanie. En Roumanie. Mais Marc n'a rien gagné. Dommage. Donc alors, observé par Arsenal, encore et toujours, joueur clé de Liverpool, tu as joué 54 matchs, 1 but, 7 passes D, 3 fois du match, 2 cartons jaunes, une note de 7,08. Encore une grosse saison. Liverpool, et juste un petit rhume. Voilà, combien de saisons? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9e saison à Liverpool, après 3 prêts et 2 saisons à Rotterdam. Vraiment pas mal, vraiment, vraiment pas mal. Tu t'installes et tu t'imposes à Liverpool. Et tu gagnes pas mal d'argent aussi. Alors, ensuite, on rentre dans le top 5 de nos 35 espoirs. Yannis Tatey, joueur de Manchester United, d'une valeur de 40 millions d'euros. Pardon. Alors, je te rappelle que tu as été transféré de la Juve à United. Et on avait un petit peu peur que tu ne sois pas titulaire, mais tu l'es. 43 matchs, 3 passes D, 3 fautes du match, un carton jaune, une note de 7,20. Énorme, énorme saison à United. C'est City qui doit s'en mordre les doigts, hein, parce qu'ils t'avaient acheté dès la deuxième saison, qui ne t'ont jamais laissé ta chance. Et maintenant, tu exploses. Là, je peux l'utiliser ce mot. Tu exploses à United, le grand rival de City. Avec deux blessures, une élongation des ischios et une douleur à une cuisse. 13,3 ans de contrat à United. Donc voilà. Ensuite, Jérémy Reiss, 43,5 millions d'euros. Joueur de la Juve, joueur clé même. Enfin, équipe première, mais joueur clé, hein, on va le voir. 56 matchs, 7 buts, 2 passes D, une fois mieux match, 4 cartons jaunes, une note de 7,11. Encore un joueur qui s'éclate à la Juve, hein, après une longue carrière à Braga, 4 ans à la Juve, malheureusement pas de titre cette année, donc voilà, encore une grosse saison. Au niveau des blessures, un rhume, une grippe, et puis c'est tout. Que des petites blessures. C'est combien l'année prochaine? Ah, est-ce qu'ils vont te faire re-signer ou pas? C'est la question qu'on se pose. Ensuite, on rentre dans le top 3. Thibaut Van Kessel, 44 millions d'euros. Joueur d'United qui était transféré pour 48 millions 500 000 euros du Real à United. Et il est mécontent, il veut sa chance en équipe première. Et oui, il est dans la rotation d'effectifs à United. On va voir qui est sur le côté gauche du front de l'attaque. Alors, côté gauche, Memphis Depay. 33 ans, c'est vieillissant. Rome Van der Meulen, 23 ans. Marco Asensio, Yassine Chenko, Chinouneli. Donc voilà, tu es dans la rotation d'effectifs. Tu n'aurais jamais dû partir du Real. J'ai seulement ça à te dire. Jamais dû partir. On va voir ta saison. Hop. Oula. 33 matchs, dont 26 matchs titulaires remplaçants, 6 buts, une fois du match, un carton jaune de 6,89. Voilà, ça change du Real. Ça change.
Au niveau des blessures, une hernie abdominale, une foulure du poignet, c'est tout. Jusqu'en 2031, encore 4 ans. Bon courage. Ensuite, Hugo Gianetti, l'anglais de Tottenham, 47,5 millions d'euros. Encore une grosse saison avec l'Angleterre et Tottenham. On va voir sa saison. 52 matchs à lui tout seul. 6 buts, 8 passes D. Une fois du match, 7 cartons jaunes, note de 6,97. Et oui, note de 6,97, encore une saison assez énorme. Tu régresses un petit peu, mais c'est toujours une très très belle saison que tu fais à Tottenham. Tu t'imposes, tu es vraiment un joueur clé maintenant. Avec une seule petite blessure, une cheville tordue pendant 3 semaines, au mois de décembre pendant le Boxing Day. Voilà, en plus tu gagnes un beau jeune pactole. Vraiment pas mal. Ensuite, on passe au joueur avec la plus grande valeur. Guy Kantowski, le Polonais du Paris Saint-Germain, pour une valeur de 61 millions d'euros. Eh oui, 61 millions d'euros. Énorme. C'est énorme. Qui a gagné la Ligue 1, la Coupe de la Ligue avec Paris. Finaliste du Trophée des Champions. On va voir tout ça. Donc, oula, pardon. Ton contrat, il te reste 3 ans. Alors. 53 matchs, seulement 5 remplaçants. Ok. 20 buts, 10 passes D, 2 fois du match, 5 cartons jaunes, note de 7,25. Avec un taux de précision de tir assez moyen, mais plutôt pas mal parce que 111 tirs, faut les faire. Un taux de passe plutôt bon, 60%, 2419 passes. Et un taux de tacle pour un milieu offensif vraiment vraiment pas mal, 76% de précision de tacle remporté, pardon, vraiment énorme. Donc en plus avec la Pologne tu t'amuses bien. On va aller voir ça, des nations, la Pologne dans le groupe B. Ouais, ah merde, disons C, merde, tu t'amuses pas aussi bien. Tu fais des bons matchs, mais malheureusement, ça ne suffit pas à ce que la Pologne monte en division B, en division A. Au niveau des blessures, une commotion cérébrale au mois de novembre. Donc voilà, on voit 4 saisons à Paris. La première a été difficile. Tu n'as pas joué beaucoup de matchs, mais les 3 suivantes, une note au-dessus de 7. Voilà, énorme, énorme. Donc maintenant, on a fait le tour de nos espoirs. Maintenant, on va voir les différents championnats assez rapidement, parce que j'ai pas envie que ça soit un petit peu trop long, parce que je sais que c'est assez rond dedans. Alors, avec Genk en Belgique, qui a gagné le championnat? Anderlecht, d'accord. Ok. On va voir un petit peu. Genk qui a fini premier, mais à l'issue des playoffs, c'est Anderlecht et le Waasland Beveren qui descend en disant deux. Ah d'accord, si tu vas là-bas, tu d'accord. Ok, j'ai dit une petite connerie. Donc ensuite, en Angleterre, avec Bournemouth en Championship, ils ont fini 10e. Alors, Sheffield Wednesday, Reading et Leeds qui montent en BPL, très très serré. Hein. Middlesbrough 6e, Brentford 7e, Bournemouth 10e, Cardiff 11e, Rotherham 13e. Ensuite c'est tout, Millwall, Scunthorpe et Preston qui descendent en League One. Hop, bah oui, bah oui, bah oui. Hop, BPL qui a gagné le championnat. Manchester City, Chelsea 2e, Arsenal 3e, United 4e. 5e Tottenham, 6e Newcastle, 7e Stoke, Liverpool 8e, Watford 10e, Everton 13e, West Ham, Norwich et Hull City qui descendent en Championship. Ensuite, on va passer à la BBVA. Hop, avec la victoire du FC Barcelone. Parfait, 2 points d'avance sur l'Atlético. Valence 3e, Séville 4e, Real 5e. Tout à fait normal, leur position.
Malaga 6e, Valladolid 7e, Osasuna 11e, Granada 12e, Villarreal 17e, le Deportivo, le Sporting et Levante qui descendent en Liga Adelante. Et pour la Liga Adelante qui monte, c'est Hercules, la Real Sociedad, et après ça se jouera entre le Real Betis, Retafe, Cordoba et le Girona. Hop, en Italie maintenant. On sait que l'AC Milan a gagné la Serie A. On va voir après combien d'années de règne de la Juve. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Après 15 années de règne sur l'Italie, l'AC Milan détrône à la... pourquoi? 80 points chacun, une plus petite différence de but, mais ils sont premiers. Résultat. Ah, d'accord. D'accord. Le règlement a changé. C'est le résultat entre les équipes et non la différence de but. Ok. Ah, ah la couille. Ah, sérieux? Oh putain. La Milan, ils ont fait quoi contre la Juve? Enfin, ils sont gagnés, mais. Juste pour voir. Match amical. 2-2. Et 1-0. D'accord. Oh putain. Oh, je savais pas que ça avait changé, tiens. Ou j'étais pas au courant que ça se passait comme ça, mais je pensais pas qu'en IRL, c'est comme ça. C'est peut-être un changement dans in-game. Ah ouais, je suis choqué. Ah, il doit avoir le seum, la Juve. Ensuite, la Roma, 3e. L'Inter, 4e. La Lazio, 5e. Naples, 6e. Novara, 9e. Sassuolo 14e, Lazio proche de la relégation, mais c'est Torino, Avellino et Atalanta qui descendent en série B, et puis en série B qui monte l'Udinese, le Civio, Vicenza, Cesena et Frosinone et Latina qui vont se battre pour la troisième place qui leur offrira la montée en série A. Ensuite, on va aller voir du côté de l'Allemagne avec la Bundesliga. Et c'est Dortmund qui gagne cette saison la Montes avec un point d'avance sur Leverkusen. Schalke 3e, le Bayern 4e, le RBL 5e, Hambourg 6e, Stuttgart 11e, Bochum et Düsseldorf qui descendent en Bundesliga 2. On va voir la Bundesliga 2 qui monte, qui descend. Et c'est... Kaiserslautern, champion de Bundesliga 2, Fribourg, qui monte avec eux. Ok. Là, on a tout vu. On n'a pas vu la France. Ni le Portugal. Hop, la France, on sait qui a gagné, c'est Paris. Ça change pas de d'habitude. 16 points d'avance. Ouais, 16 points d'avance sur Lyon, qui finit deuxième, Monaco troisième, Montpellier 4. L'OM 5, Racing Club de Lens 6e, Nantes 7e, Lille 10, Saint-Étienne 11, Nice 15e, Angers 16e, le Gazélec, l'Estac et le Stade Malherbe de Caen, dédicace à Meuch qui descendent en Ligue 2. Et en Ligue 2, qui monte, qui descend? L'AG Auxerre, on l'avait vu, Strasbourg et Lorient qui les accompagnent, le Rennes toujours 4e, Dijon 6e, Nancy 13e, Brest, Orléans, Créteil qui descendent en National. Hop, on va faire ça, et on va aller voir du côté du Portugal, avec le FC Porto qui finit premier de la première ligue portugaise. Alors avec 6 points d'avance sur Moreira, oula. Moreirense, pardon, Sporting 3e, Benfica 4, Braga 5 et Guimarães 6e. Et maintenant on va aller voir du côté des Pays-Bas. Est-ce que l'Ajax continue son règne? Oui, il continue. Qui finissent premier. Avec combien de points d'avance? Avec un point d'avance sur la Z. Feyenoord 3, PSV 4e. Donc voilà, on a vu nos espoirs, on a vu les différents championnats, on a vu aussi les ballons d'or.
On a vu quelques nations, pas toutes, mais on les a vues, on a vu leur parcours un petit peu. Donc voilà, on a fait le tour de cette saison 2026-2027. Je vous dis à très bientôt pour la saison 2027-2028 pour l'épisode 16. J'espère que cet épisode vous aura plu. À la prochaine. Ciao, ciao.